Bonjour, alors je suis de retour. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques, je pense que maintenant il y a quelques mois de ça, quoi qu'il n'y a pas très bien longtemps, je l'espère. Je me rappelle plus en fait, j'ai plus trop la mémoire du temps par rapport aux vidéos que j'ai mises en ligne. Mais je vous avais parlé d'un bouquin qui s'appelait Fighting Ultra de Rich Roll. Je vais remettre le lien en bas, le lien sur la vidéo si vous êtes intéressé. Et je vous disais effectivement, le monsieur faisait en fait le lien entre la performance sportive et l'alimentation à base de fruits et légumes et des choses comme ça. Et donc, mon activité physique par rapport à l'alimentation, je suis obligé de dire, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que depuis que j'ai introduit une nouvelle activité physique dans ma petite routine quotidienne, nommément le rameur, et ben je mange plus. J'ai faim. J'ai vraiment faim. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que depuis toujours, j'ai jamais été une grosse fan du petit déjeuner. J'avoue que pendant une longue période, je me suis forcé à petit déjeuner. Ça devenait une évidence. Ouais, au bout d'un moment, c'est devenu. Enfin, voilà, il fallait que je me force à petit déjeuner. Après, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu des activités où, de toute façon, de facto, même si j'avais pas envie de manger directement, je dirais, au sortir du lit, peut-être 1 heure, 2 heures plus tard, de par l'activité, j'étais obligé, comme c'était quand même une activité physique, j'étais obligé de manger quelque chose. Donc ça a aidé un peu, mais c'est vrai qu'en termes de petit déjeuner, ça a toujours été très chaud pour moi, dans le sens que d'une, je savais pas quoi manger, c'est vrai que j'avais du mal à digérer le lait, donc au début ça m'a pas, je dirais que très jeune, ça m'a pas réellement aidé à vouloir aimer beaucoup le petit déjeuner, et c'est, je dirais, en arrivant à l'âge adulte que j'ai compris pourquoi j'avais du mal à digérer le lait, donc par rapport à ça, j'ai changé les ingrédients de mon petit déjeuner. C'est vrai qu'encore récemment, en devenant végétalienne, j'ai encore changé mon petit déjeuner. Et c'est vrai que, comme je vous disais, ce que j'ai retenu du bouquin et ce que je comprenais, c'est qu'effectivement, je mange réellement en fonction de mon activité dans la journée. Et je me suis, depuis 2 ou 3, 2 ans et demi, quasiment 3 ans, j'ai changé mon petit déjeuner. Les quantités étaient plus, enfin, par rapport aux quantités, c'est pas que je compte les calories, quoi que ce soit, mais par rapport peut-être à un petit déjeuner d'une personne lambda, c'est quand même très très peu. Mais encore une fois, je suis pas fan fan fan. Et là, parce que j'ai introduit le rameur, et je me rends compte que il faut que je mette maintenant la dose sur le petit déjeuner le matin, même si je fais pas le rameur dès le petit déjeuner, je suis obligé quand même de reposer le corps avant de grimper sur le rameur. Donc en gros, il y a peut-être 2-3 heures d'écart par rapport au moment où je petit déjeune et après où je vais aller sur le rameur faire quelques mouvements. Honnêtement, hein, c'est peut-être une dizaine de répétitions, pas plus, parce que je peux pas faire plus sans prendre le risque de me faire mal. Donc en gros, voilà, je joue dangereusement avec les limites de ce que mon corps me permet de faire sans trop avoir mal. Et j'ai très vite, au bout de la première semaine, enfin je veux dire la première semaine et les premiers jours, je me suis dit, tiens, c'est curieux, je commence à avoir faim, j'ai pas l'habitude, et quasiment, c'était, je commence à avoir faim dès que je sors, dès que j'ai terminé avec le rameur. Et je disais, et comme j'insiste bien, c'est à peu près une dizaine de répétitions. Alors, si je vais au-dessus de ce que je fais peut-être 12 répétitions, 15 répétitions, mais pas plus. Et juste après, une fois que j'ai terminé avec le rameur, une petite séance de stretching, d'assoupissement, et hop, et direct, je sens la faim qui me gagne, et j'ai faim après. Donc, par rapport à ça, pour éviter ça, parce que ça devenait, voilà, moi je suis pas là pour, effectivement, j'ai perdu du poids, mais je tiens pas à perdre du poids en me mettant dans un état de famine, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai très vite pallié à ça, j'ai augmenté les doses au petit déjeuner pour pouvoir, entre guillemets, assurer l'activité rameur le matin et après pouvoir tranquillement manger le midi et, si nécessaire, avoir le temps de me préparer avant d'avoir extrêmement faim. Donc tout ça pour vous dire que oui, l'activité physique et l'alimentation, c'est important, et même quand on est végétalien, c'est toujours aussi important. Et c'est vrai que ben je fais attention à ce que je mange, pas en termes de combien de calories j'ingurgite chaque jour. Honnêtement, je m'en fous. C'est plus, je fais attention en termes
quel type d'alimentation je vais manger pour me permettre de, entre guillemets, durer une matinée avec une activité sportive et après, une fois que j'ai mangé le midi, pouvoir me permettre de durer toute une après-midi en sachant que dans l'après-midi, je vais encore faire des exercices physiques qui vont faire que je vais, entre guillemets, brûler un petit peu de calories, on va dire ça comme ça, donc pour me permettre de tenir jusqu'au soir. Alors, clairement, avant que j'introduise la rumeur, si je mangeais un petit peu plus au petit déjeuner, j'avoue que même j'avais vraiment pas faim, même arrivé midi, c'était quelquefois juste si j'avais faim, donc ça me permettait de manger un petit peu plus tard, enfin tôt dans l'après-midi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant que j'ai introduit la rumeur, là réellement, c'est que vraiment quand il arrive autour de midi, il faut que. Je dirais que la nourriture soit en train de mijoter ou que le plat soit déjà prêt, que ça prenne juste quelques minutes pour pouvoir manger parce qu'effectivement la faim est là. Alors quand je dis faim, c'est un début de faim, c'est surtout ça. C'est réellement l'intérêt pour moi, c'est un petit peu ce que j'ai retenu du bouquin et ce que je retiens. Ceux qui effectivement font extrêmement de sport, enfin qui font beaucoup de sport et qui sont végétaliens, c'est qu'effectivement il faut savoir manger à satiété pour ne pas avoir faim et surtout pouvoir maintenir l'activité sportive. Pour maintenir l'activité sportive, quel que soit votre niveau. Donc en gros, c'est à vous de voir. L'histoire de dire, effectivement, je regarde des chaînes et je sais qu'il y a certains youtubeurs qui disent faut manger à donf. Tout dépend de vous. C'est pour ça que je dis, c'est très important de lire sur le sujet, qui est le végétalisme. Les quantités qui vous sont nécessaires, c'est à vous de le découvrir, en sachant qu'il faut savoir marier les aliments entre eux pour pouvoir, entre guillemets, vivre, enfin, supporter toute une journée, c'est le cas de le dire, sans avoir faim, sans avoir un besoin de grignoter, sans avoir ce perpétuel sentiment de faim. Et entre guillemets, c'est très vite, c'est très facile, parce que très vite, on arrive à satiété. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour vous dire que oui, activité sportive, enfin activité sportive entre guillemets, j'ai un petit peu de mal à dire activité sportive dans le sens que moi je fais pas ça pour faire du sport, je le fais juste pour faire de la rééducation. Réellement, c'est de la remise en forme. Mais même dans une psychologie de remise en forme, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut que je fasse attention à ce que je mange. Et clairement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, même le midi ou le soir, j'ai dû augmenter les quantités parce que clairement, il y a voilà. Je pompe sur les ressources humaines. Sur ma ressource humaine, on va dire ça comme ça. Allez, sur ce, c'était tout pour moi. Comme d'hab, prenez soin de vous, mangez, bougez. C'est vrai que ça fait un petit peu de la pub, mais je découvre avec le temps que en fait c'est très nécessaire. Ok. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.